Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, aujourd'hui 27 juillet. Oh ma chérie, tu vois, on est en train d'arriver déjà au mois d'août. Hein. Oh. Ça passe les mois, il ne nous restera plus que le mois d'août, septembre, octobre, novembre, décembre. Il va falloir qu'on trouve d'autres méditations pour être encore en communion avec notre frère. Amen. Parce que je ne sais pas toi, mais moi j'aime son café. Amen, Le café de mon frère, le café de ma sœur est extraordinairement bon. Il est rempli d'amour. Alléluia, quelle bénédiction de se retrouver chaque matin avec vous. Que cette pensée que Dieu nous donne chaque jour, nous la partageons avec vous avec un tel plaisir. C'est une bénédiction. Amen. Et le texte de la méditation d'aujourd'hui, nous allons l'extraire, comme nous l'avons déjà lu hier, dans Matthieu, chapitre 14, verset 29. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Et le Amen. titre de la méditation d'aujourd'hui est Marcher sur les eaux. Alléluia. Bon, mon frère, ma soeur, tu te coules un bain et on va faire une petite expérience. Il faut marcher sur l'eau aujourd'hui. Non, trêve de plaisanterie. Non, on essaye de. Je sais que ces dernières semaines ont été des paroles vraiment de la foi. Ça nous a démontré ce qu'est réellement la foi et surtout ce qu'elle n'est pas. On voit qu'il y a une différence entre la foi biblique et la foi enseignée par la religion. La religion, je veux dire, quelque part, elle a tout le temps une barrière, il y a une limite. Quand on regarde un petit peu ce texte que nous avons lu hier où Pierre a marché sur les eaux, la plupart ont tous devant les yeux le fait que Pierre a coulé. Il a commencé à s'enfoncer. Mais mon frère, ma sœur, moi je ne veux pas regarder dans ce problème que Pierre a eu, qu'il a commencé à s'enfoncer. Moi je vais vous dire une chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Pierre a su marcher sur l'eau. Amen. En tant qu'étant un être humain, et nous le savons, que marcher sur l'eau, ben, généralement, on marche là où il y a pied. Généralement, on s'enfonce. Mais Pierre, moi, je ne veux pas regarder l'effet négatif de la vie de Pierre. Moi, je regarde que Pierre a réussi à marcher sur les eaux. Amen. Il a été à contre-courant de la force de la gravité qui dit qu'un objet qui est dans l'air sera attiré vers le sol, vers le centre de la terre. Pierre a marché sur l'eau. Amen. Et je voudrais qu'aujourd'hui, nous focalisions notre pensée, non plus sur le fait qu'il a commencé à couler, mais sur le fait que Pierre a marché sur les eaux. Amen. Regardez, en Matthieu chapitre 14, verset 28, il est dit, Pierre répondit à Jésus, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et Jésus lui dit, viens. La parole de Dieu. Karine l'avait pris ces jours-ci, il disait que la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi la parole de Dieu a été lancée. Alléluia. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Notez, comme je le disais, qu'il marcha sur les eaux. Ne critiquez jamais Pierre à moins de marcher vous-même sur l'eau sans vous enfoncer dans l'eau. Et bien souvent, on ne marche pas sur l'eau et on critique que Pierre a commencé à s'enfoncer. Si vous pouvez marcher sur l'eau sans couler, nous accepterons vos critiques. Mais ne critiquez pas Pierre, il réussit à y marcher quand même. Amen. En revanche, vous n'avez pas le droit de vous cacher derrière Pierre, pour ainsi dire, en trouvant des excuses pour votre incapacité à recevoir de Dieu. La Bible nous dit exactement pourquoi Pierre commença à s'enfoncer. Si nous sommes attentifs, nous n'aurons pas à couler quand notre foi est éprouvée. Et c'est le but de ces émissions qu'on donne. Amen, tout à fait. Combien parmi vous passez-vous par la maladie? Mais regardez les commentaires qui ont été mis, mon frère, ma soeur. Et j'ouvre une parenthèse. N'oublie pas de partager ces émissions avec tes frères et tes sœurs, avec ta famille, même qui sont convertis ou qui ne sont pas convertis. Donne-leur et dis-leur, regardez les témoignages qui sont mis. Regardez. À la limite, on repart du 1er janvier et chaque fois que tu vois des témoignages de guérison, tu dis, regarde, 1er janvier, ils ont dit ça, regarde qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu une guérison.
Partage, partage, partage. C'est votre travail, mon frère, ma soeur. Nous faisons notre travail, mon frère, ma soeur. Mais vous devez faire votre travail. Amen. Et donc, nous le voyons. Pierre a commencé à marcher. Et il a marché. Jésus ne veut pas que nous nous enfoncions en marchant sur la mer de la vie. Tout comme il ne voulut pas que Pierre commence à s'enfoncer. Jésus encouragea Pierre, « Viens !» Et au fur et à mesure que Pierre continuait à obéir à la parole de Jésus, il marchait sur les eaux. Mais la Bible nous précise, voyant que le vent était fort, Pierre eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» On le voit au verset 30 de Matthieu chapitre 14. Pierre cessa de fixer les yeux sur Jésus et regarda le vent, les symptômes si vous voulez, le vent et les vagues. En fait, il ne voyait pas le vent, puisqu'on ne voit pas le vent, mais il regardait ce que faisait le vent. Il se rendit compte que les vagues étaient houleuses. Il eut peur et commença à s'enfoncer. Il cria au Seigneur Jésus et Jésus étendit sa main et le sauva. Mon frère, ma sœur, au lieu que Pierre regardait les vagues qui n'arrêtaient pas de battre contre la barque, mais si elle battait contre la barque, je suppose qu'elle battait contre ses pieds à lui, s'il n'aurait pas regardé ça, mais s'il aurait regardé en disant « Waouh, je suis en train de marcher sur l'eau. » Sa foi, à la place de marcher sur l'eau, il aurait marché même sur l'air. Il aurait monté d'un niveau, il aurait monté. Et lui, il a regardé quoi? Les effets du vent, les vagues qui tapent. Et les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? J'ai la maladie, j'ai les symptômes. Le docteur, il a dit, on prie, Dieu guérit. Oh, j'ai les symptômes qui recommencent. Et qu'est-ce qu'on fait? On regarde à tout, sauf à ce que Dieu est en train de faire. Et quand on retire nos yeux de Jésus sur la promesse que Jésus a faite par ses meurtrissures, « Je suis guéri », quand on retire nos yeux de là, eh bien alors là, cette réalité ne devient plus effective dans la vie des chrétiens. Quand je laisse le doute, est-ce que Dieu... Vous savez, Karine l'a dit avant-hier ou hier, elle disait, quand le diable est venu, il a dit, est-ce que Dieu a réellement dit... Et là, c'est la même chose. Est-ce que Dieu a réellement dit que par ses meurtrissures, vous êtes guéri? Ben, mon frère, ma sœur, fais-toi des post-it, fais-toi des photos avec ce verset biblique qui dit que par les meurtrissures, je suis guéri. Il ne dit pas que par les meurtrissures de Jésus, tu auras les symptômes. Et il dit, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Et tu mets point, tu mets c'est non négociable. Amen. Monsieur le diable, c'est non négociable. J'ai accepté le Seigneur et je suis guéri. Ouh, là je sens que tu as besoin d'une parole qui va te... Pierre a marché sur les eaux, toi tu as marché sur l'air, mon frère, ma sœur. Tu vas être en lévitation spirituelle de Dieu. Je ne parle pas de lévitation spirituelle du diable, mais celle de Dieu, mon frère, ma sœur. Au nom de Jésus. Amen, amen. J'espère que vous êtes prêts, mes bien-aimés. Nous allons effectivement marcher sur les eaux. J'aimerais tellement, tellement que vous puissiez recevoir cette bénédiction que Dieu a prévue pour vous. Je crois que durant ces derniers jours, Dieu a tellement parlé à nos cœurs que nous ne pouvons que voir les effets positifs dans nos vies. Positifs. Et aujourd'hui, il nous incite et nous dit « Marchez sur les eaux. Marchez sur les eaux. » Comme Pierre, il sortit de la barque et il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Il s'est dirigé vers lui. Il a dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et cette parole est arrivée directement dans le cœur de Jésus-Christ qui lui a dit « Viens, viens, Pierre, viens, sors de cette barque, viens à ma rencontre. » Et c'est encore le même cri aujourd'hui que Dieu nous adresse, mes bien-aimés. Il vous adresse à chacun d'entre vous. Il dit « Mon fils, ma fille, viens, marche sur les eaux, marche sur tes problèmes, marche
sur tes difficultés. Marche sur ta maladie. Je t'appelle. J'ordonne que tu sortes de la barque, que tu sortes de tes raisonnements, que tu sortes de ta douleur, que tu sortes de ta souffrance et que tu marches sur les eaux afin de venir vers moi et que je te donne ta bénédiction, ta guérison. Comme nous l'avons dit hier, Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous une multitude de bénédictions. Nous ne devons pas les rater. Et nous ne voulons pas être privés de toutes les bénédictions qu'il en réserve pour nous. Et aujourd'hui, nous voulons faire cette bonne déclaration qui dit « Au fur et à mesure que j'agis selon la parole de Dieu, je marche sur les eaux de la vie. Je bénéficierai donc de la santé et de la guérison. Je ne m'enfoncerai pas lorsqu'arrive la tempête de la vie, puisque ma foi est fondée sur la parole de Dieu. » Amen. Uniquement sur la parole de Dieu. Et comme le pasteur le disait, nous ne voulons pas pointer du doigt les manquements de Pierre quand il a commencé à couler. Mais nous voulons simplement en tirer vraiment une leçon de vie pour nous. La parole de Dieu a été écrite pour que nous puissions en tirer des leçons pour nos vies, pour nos propres vies. Et quelle est cette leçon? Cette leçon que nous devons garder en tête, c'est que quand Pierre a regardé autour de lui, il a commencé à s'enfoncer. Avez-vous déjà vu quelqu'un commencer à s'enfoncer dans les eaux? Moi, j'ai jamais vu quelqu'un commencer à s'enfoncer. C'est soit il marche sur les eaux, soit il coule d'un coup sec dans les eaux. N'est-ce pas? Personne n'a commencé à s'enfoncer petit à petit à descendre dans les eaux. Et que nous démontre cette parole? C'est que c'est la foi que Pierre avait déposée en Jésus-Christ qui l'a fait sortir de la barque et qui l'a fait marcher sur les eaux. Mais la parole de Dieu nous dit que quand Pierre a commencé à fixer ses yeux, son regard sur le vent, sur les eaux qui se mouvaient, il a commencé à s'enfoncer. Que s'est-il donc passé, mon frère, ma sœur? Eh bien, c'est ce que nous vous disons depuis bien longtemps maintenant, c'est que la peur a commencé à chasser la foi de Pierre. Amen. Pierre a été rempli de foi pour sortir de la barque et marcher sur les eaux. Mais quand il a fixé ses yeux sur le vent et les eaux, la peur a commencé à entrer en lui. Le doute a commencé à entrer en lui. L'incrédulité a commencé à entrer en lui. Et il a commencé à couler. Parce que cette peur a chassé la foi. Donc plus il commençait à laisser entrer la peur, plus la foi était chassée, sortait de lui. Et plus il commençait donc à couler. Donc, mon frère, ma sœur, j'aimerais que tu retiennes cette image. La peur chasse la foi. À chaque fois que tu tournes tes yeux sur tes peurs et tes angoisses, tu chasseras la foi que Dieu essaye d'établir en toi. Mais la bonne nouvelle, c'est que la foi chasse aussi la peur. Amen. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas tourner ton regard sur Jésus-Christ, tu vas faire entrer la foi et tu vas chasser la peur de ta vie. Tu vas chasser tes angoisses, tes doutes et tes incrédulités et tu vas marcher sur les eaux. Peu importe ce que les gens vont dire, peu importe les souffrances et les douleurs que ta maladie va crier, tu vas marcher sur les eaux parce que ta foi sera fermement établie sur la parole de Dieu. La foi prendra toute la place et il n'y aura plus de place pour ces peurs et ces doutes et cette incrédulité qui essayent d'entrer en toi. Voilà la véritable parole sur laquelle tu dois poser tes regards. Mes bien-aimés, j'aspire à ce que vous soyez remplis de foi et qu'il n'y ait plus aucune place pour toutes ces choses. Plus de place à la peur, plus de place à l'angoisse, plus de place au doute et à l'incrédulité, mais uniquement
la place pour la foi et la confiance en la parole de Dieu. Amen. Vous êtes guéris au nom puissant de Jésus-Christ, par les meurtrissures de Jésus-Christ. Vous êtes guéris. C'est fait. C'est accompli. Vous n'avez plus qu'à en prendre possession par la foi. Et aujourd'hui est un jour de foi. Aujourd'hui est le jour où vous marchez sur les eaux. Amen. Vous marchez sur votre maladie, vous marchez sur vos souffrances, vous marchez sur vos doutes et vous proclamez la parole de l'Éternel. Dieu a déclaré qu'il est l'Éternel qui me guérit, donc je suis guéri et je prends possession de ma guérison aujourd'hui. Un point, c'est tout. Amen. C'est non négociable, comme le disait le pasteur. C'est non négociable. Et je vais peut-être même l'afficher partout dans ma maison jusqu'à ce que mon âme, mon esprit et mon corps s'accordent avec cette parole qui dit « L'Éternel m'a guéri ». Amen. Il n'y aura plus de place pour aucune autre chose que la foi. Ma maison est une maison où la foi est proclamée. Et déclaré. Et moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ils verront de leurs yeux que l'Éternel est vivant et qu'encore aujourd'hui, il guérit. Au dehors, Satan. Amen. Ouvrez la porte et faites sortir la peur, l'incrédulité. Chassez-les hors de votre maison, de votre foyer. Amen. Et accueillez la foi dans toute sa plénitude. Dans toute sa plénitude. Laissez la place, laissez toute la place au Saint-Esprit. Et laissez-le accomplir les miracles dans vos vies. Amen. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis, mes bien-aimés. Soyez bénis. Que cette journée vous soit encore favorable au nom de Jésus-Christ. Laissez-nous vos témoignages, laissez-nous vos commentaires. Nous avons hâte, nous sommes impatients de lire chacun d'entre vous toutes les merveilles que Dieu a accomplies dans vos vies. Nous vous souhaitons encore une excellente journée dans les bras du Père. Que l'Éternel vous bénisse abondamment, infiniment et bien au-delà de tout ce que vous pensez ou même imaginez au nom de Jésus-Christ. Quant à nous, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Soyez bénis.